un chemin et déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. De l'abîme de misère où j'expirais loin de toi, ta bonté, Dieu de mes pères, descend jusqu'à moi. Tu parlas, mes yeux s'ouvrirent, à mes regards éperdus, tes secrets se découvrirent, j'étais mort et je vécus. Cher ami en Christ, mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore pour vous offrir une tasse café chaud spirituel, la prière matinale par votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Robinson. Garde courage. Ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté. Nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie, le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Cher ami en Christ, comme vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Psaume 119, le verset 71. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. » Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, un bienfaiteur caché. Mes chers amis dans le Seigneur, un psychologue affirme: la personne qui nous outrage nous enseigne à réduire notre ego, à développer patience et compassion, à pardonner sans condition. Elle nous apprend tout de la vie et des relations humaines. Si vous ne percevez pas l'affront comme tel, mais comme une leçon gratuite, il devient inoffensif. C'est vrai, on peut l'admettre. Quand vous subissez un affront, vous pouvez riposter avec rigueur ou le voir comme une occasion de grandir. Ça, c'est votre choix. Mais ce que vous devez apprendre ce matin, très fort souvent, Dieu manipule nos ennemis pour qu'ils agissent en bienfaiteurs afin d'accomplir sa volonté dans notre vie. Il peut nous bénir à travers des pires rencontres, celles qui font mal ou vous laissent un goût amer. Malheureusement, très fort souvent, nous interprétons très mal ce que nous subissons de la part des autres. Et cependant, il y a certaines personnes qui agissent mal, qui parlent avec ou mal, qui font mal et qui peut peut-être mettre de l'eau dans les yeux, qui saigne le cœur, qui est capable d'attrister l'esprit, qui est capable de permettre que ou abattu, et cependant, moun sa ou capable de garder le comme étant un malfaiteur. Pourtant, il est un bienfaiteur. Parce que action que le pose dans la vie ou là, c'est l'occasion pour capable déboucher sur une pile avec un paquet ouverture dans la vie. Certaines fois, gagner une humiliation dans la vie ou, qui ouvrit, je dirais, toute une ville. Parce qu'en réalité, nous qu'on a goumé parce que y a une porte qui fermait. Et pourtant, porte ça qui fermait, hein, c'est l'ouverture d'une grande ville que le bras permet. Mais très fort souvent, visuellement, yeux nous qu'on paraît trop loin pour nous capables d'une certaine manière interpréter les choses comme telles. Si vous t'aimez mieux comprendre ça que moi dit ou là, à regarder dans l'histoire de Mardochée, qui était l'oncle de Esther. Mardochée, il était humilié, mal vu. Les pas bien reçu de la part de Haman et qui t'a fait tout arrangement à ce que l'y exterminer Mardochée. Et l'y t'est descendre Mardochée à travers ses propos. Et l'y t'est gardé Mardochée très mal avec regard l'y. Et l'y t'est tellement raï Mardochée, l'y t'a fait des arrangements pour finir avec Mardochée. Il était un malfaiteur.
Mais vous comprenez quelque chose? Dieu a changé son statut de malfaiteur en bienfaiteur pour son serviteur. Au point que mal que l'a préparé, bon Dieu changé mal là en bien. Vous comprenez cela? Si Outa allait chercher aussi dans la vie de Jephté le Galaadite, ce serviteur qui était rejeté par sa famille, il mettait le dehors. Parce que papa était mort, maman était déjà décédée, donc il était orphelin. Il mettait le hors de la maison, humilié, descendu, rejeté. Et la Bible dit, pour bon Dieu lever Jephté en dignité, lui servir avec moment ça, il jeter Jephté, et puis lui changer la vie de Jephté. Et Jephté devient un grand homme dans sa nation, et pays a été honoré Jephté parce qu'il était le plus grand guerrier à cette époque. Il était servi avec lui pour capable gagner la plus grande bataille de l'heure. Vous pouvez comprendre? Bon Dieu servi avec opportunité ça, il côté où j'étais serviteur ça, il a humilié le descendre lui pour qu'à lever en dignité. Est-ce qu'on peut rappeler de la vie de Joseph? Cet homme, la ville était comptée de humiliation en humiliation. À ce qu'il paraît, c'était la multiplication des humiliations dans la vie de Joseph. Il prend ses frères, sa famille prend la guêle dans la citaine. Il retire la citaine. Il vendit avec les Madianites, de marchands qui t'a passé. Marchands, il prend, il revendit comme une chose en Égypte. Et il tombait la caille au monsieur comme serviteur. Et Potiphar, qui t'a acheté comme maître, lit d'une certaine manière sous l'accusation de sa femme en faux, la guêle en prison comme étant, je dirais, un vagabond. Et la Bible dit, bon Dieu pral servir avec dernière situation de bassesse, situation d'humiliation, ça, situation côté que y'a rejeté Joseph, et li pral fait sortir prisonnier, li pral lever en dignité comme étant le premier ministre, l'homme le plus fort après le roi de cette grande empire. Vous pouvez comprendre, Dieu peut se servir des humiliations, Dieu peut se servir des situations précaires, Dieu peut se servir des rejets pour le cas lever en dignité. Mais non seulement cela, l'une des choses que m'taramek yo apprendre en pile fois qu'il y a des bagailles que nous ignorons, et pourtant ça que nous ignorons, si nous t'es porté en pile attention avec lui, nous t'abgayons l'autre lecture des choses. En pile monde aujourd'hui qui réussit, qui fait succès dans vie, et c'est des mondes qui ont des histoires qui sombres, des histoires qui bleues, des histoires qui difficiles, ou même des histoires qui obscures, des mondes que famille t'est humiliée, des mondes que amis t'est abandonné, des mondes que l'autre monde t'est descendu, des mondes qui qu'on gardait avec des regards de dingue, des moules qu'on gardait traités au mal comme des rejets, comme des ordures, et je dis à Mounsa ou des grands, soit peut-être Mounsa yo prend, je dirais, humiliation hein, comme étant un stimulant pour faire effort, stimulant un pour chercher bon Dieu pour dire Seigneur, m'bagé doit arrêter dans la situation ça, stimulant pour commencer mettre à l'œuvre, pour travailler, faire plus effort afin que qu'à concrétiser les choses de la vie, et en pile moun jodi a qui vient grand. C'est des mondes qui te gon soif, des mondes qui te gagné un engouement, des mondes qui te gagné une détermination, des mondes qui te dévoué pour le capable sortir quelque chose et yon lutte pour y arriver. Et très fort souvent motif là, c'est ça où t'es subi, ça où t'es enduré, ça où t'es fait yo, j'en où t'es descendu yo. Il y a des mondes aujourd'hui qui rassasient de nourriture, qui pas qu'un problème de nourriture pour ton monde ça. Dans les temps passés, s'il t'a expliqué ou humiliation, il te comprend pour yon plat manger, comment la ville était très difficile et comment monde te qu'on garder avec des regards de dingue. Il y a monde jodi a qui a des comptes en banque qui montaient et qui pas qui problème l'argent, et pourtant monde ça c'est des monde qui te qu'on fait des demandes pour ba la main, et monde te qu'on mépriser yo, monde te qu'on humilier yo, monde pas qu'on fait cas de yo. Et il y a monde jodi a où qui a des vêtements et qui pas qui problème, qui acheter plusieurs vêtements, qui acheter en pile rade et sourivé dans ses sous la caille, sourivé dans pendre la Kylie, sourire dans chambre ou après que li pas manqué rad, li pas manqué chemise, li pas manqué costume, li pas manqué pantalon, li pas manqué robe, li pas manqué corsage, li pas manqué chemisier, li pas manqué bel chapeau, li pas manqué bel complet. Pourtant moun sa te gen on lè nan vili, li te besoin on rad pour te mettre sous li pour t'aller nan occasion, pour t'aller sortir aller nan yon fête, ou bien peut-être peut bien aller nan yon rendez-vous, mais li pas capable joine parce que soit peut-être que t'es méprisé ou bien
pas accepté prêter. Donc laissez-moi vous dire, tout monde ça yo, c'est des monde qui t'ai subi des affronts, monde t'ai descendu yo, monde t'ai humilié yo. Mais yo pas quitté humiliation avec affront ça yo détruit yo, au contraire, humiliation ça yo avec affront ça yo servi comme engouement, servi comme engrais pour avoir plus conviction. Cela veut dire donc monde ça yo en réalité, yo pas fort du tort, yo fort du bien. Monde ça yo, yo pas des malfaiteurs, c'est des bienfaiteurs. C'est vrai peut-être ou pas aimer humiliation que le faut là, mais sont bienfaiteurs liés, c'est pour apprendre la vie. C'est vrai ou pas aimer gens par la voix là, mais pourtant sont bienfaiteurs, c'est pour le cas apprendre ça créer les succès. C'est vrai ou pas aimer gens très tôt là, mais sont bienfaiteurs liés, c'est pour le capable d'une certaine manière bah au plus conviction pour qu'à goûter pour river de demain dans la vie. Donc mon frère, ma sœur, apprenne recevoir mes prières différemment, je dis hein. Apprenne accepter humiliation yo avec yon l'autre lecture, avec yon l'autre consentement, avec yon l'autre compréhension. Gi bagay ou subi dans vie ça yo faire lever mon et puis dit bon Dieu merci et puis garder mon dit moi remercier comme étant un bienfaiteur. Bon humiliation recevoir, remercier mon nan. Bon mépris ou prend, remercier le. Ou comprendre bon rejet ou prend, remercier le parce que ça a aidé ou dans la vie pour capable faire succès dans vie. M'a redit ou encore pas jambe prend mal yo faire comme des choses qui détruisent, mais prend mal yo faire comme des opportunités qui aider pour mieux comprendre la vie et qui mettez, je dirais, l'huile dans roue pour capable rouler plus bien dans l'existence de votre vie. Laissez-moi vous rappeler encore ce matin, le temps et l'effort investis ne sont pas vains, car Dieu sait à quel point l'adversité peut vous servir. Les accidents et les trahisons sont inéluctables. Mais réussir dans la douleur forge le caractère. Finalement, vous pourrez reconsidérer vos ennemis et réaliser qu'à l'instar de Judas, ce sont des amis et ce sont des bienfaiteurs. Que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel, le Shiloh d'Israël, l'ancien des jours, l'étoile du matin, le bélier redoutable, le solvant universel, la pierre philosophale, dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, où je me rends seul pour te rencontrer, toi que mon âme adore. Je te dis merci ce matin pour ce privilège, merci pour cette opportunité, merci pour l'accès que tu nous donnes de pouvoir assiéger ton trône pour expérimenter ta présence, pour explorer ta face. Seigneur, ce matin, c'est avec un cœur rempli de joie, comme a dit le serviteur. Quand tu parles en mon cœur et quand ta voix résonne dans mon âme, je sens une joie infinie qui nous donne un autre goût de la vie. Seigneur, ce matin, c'est avec reconnaissance, nous humblement prosternés devant trône, devant face bénie, et nous aimerions expérimenter encore ta présence, n'ayant l'autre dimension de plus, et qui qu'à permettre que nous mieux appréhender la vie, et nous mieux comprendre l'existence de nos Seigneurs. Matin, nous venons devant face pour nous t'en prie, implorer pour qu'attend des voix, non. Mais Seigneur, comment ou qu'attend des voix, non, si culpabilité nous y a, nos fautes, nos impératifs, perfection, nos maladresses qui capable des fois déranger relation avec eux, si nous pas vienne devant avec eux, Seigneur, pour faire nous grâce et pour nous accès pour nous capable face eux. Seigneur, comme a dit le serviteur, que Dieu est un Dieu saint, il faut que si là qui prale dans présence lui rentrer avec sainteté et propreté spirituelle. Maintenant Seigneur, nous vienne devant n'a pas de temps prier fait pour nous mêmes cher Seigneur, ça que nous-mêmes nous pas mériter, manifester pour nous-mêmes ça que nous pas mériter selon ta grâce, permettre ô Dieu nos imperfections soient au-dessous, amen, de ton amour, permettre à ce que nos manquements soient au-dessous de ton amour, Seigneur. Oh oui, Père, pas gardez-nous avec un regard de justice, mais gardez-nous, Seigneur Dieu, oh oui, matin, avec un regard de compassion et de pitié. N'a pas de grâce, Seigneur, et pas rentrer en jugement avec nous, si à travers langage, à travers regard, à travers pensée ou action, nous t'a commettre un bagaille et qui pas t'a faire plaisir. Et nos bien-aimés frères et sœurs captant des prières ce matin, et qui a peut-être gagné un échard, un handicap spirituel, un handicap dans le corps,
dans l'esprit ou dans la pensée yo, qui est capable d'empêcher que yo fasse yo. Maintenant, Seigneur, à l'unisson, ensemble, n'a demandé grâce et pardon pour yo Père. Et n'a demandé grâce, n'a imploré pour yo Seigneur, en sorte que capable d'un privilège pour expérimenter présence yo. Seigneur, ta présence est la vie. Ta présence est vitale. Ta présence est indispensable. Lorsque nous perdons présence au Seigneur, oh, nous sommes les plus malheureux du monde. Les plus malheureux. La vie nous est extrêmement difficile. Mais quand nous avons, amen, une bonne relation, Seigneur, avec nous-mêmes, pas qu'il n'y a aucune circonstance. Oh oui, bonne comme mauvaise, obscure comme claire, capable de désorienter l'esprit, nous, ou bien penser, nous, pour faire nous aller côté nous, pas qu'à doué aller. Maintenant, Seigneur, nous venons devant face ou pour nous capables de t'en prier, demander au bas nous plus constance à capacité, pour nous mieux appréhender les mésaventures fâcheuses, pour nous mieux appréhender les mauvais traitements des autres. C'est vrai, Seigneur, dans la vie, il y a certaines choses que nous pas t'a jamais souhaité, nous pas t'a jamais aimé, pas qu'il y a un monde qui t'a aimé humilié, pas qu'il y a un monde qui t'a aimé pour vivre et côté bon Dieu a rejeté nous, pas qu'il y a un monde qui t'a aimé pour nous vivre, côté pour nous perdre valeur, perdre toute importance. Oh oui, Seigneur, mais cependant, ou fait nous comprendre à travers ta parole, quand tu es un soeur, quand tu es un frère, quand tu es un serviteur, quand tu es une servante, quand tu es un bien-aimé, subis ces affronts, côté que père, ami capable de trahir, famille capable de rejeter, collègue capable d'abandonner, ou je dirais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, même si là, qui t'a loué là pour yo, bon Dieu qui est dans le ciel là, oh oui, capable de faire du tort ou du mal, mais pour yo apprendre à recevoir yo bien, apprendre à faire face à la situation, ça au bien, père, pour qu'à mieux comprendre, pour qu'à mieux appréhender, pour qu'à mieux interpréter yo, en sorte que pour affliction, en sorte que pour stress, en sorte que la déception de la vie, pas fini avec vie yo. Il y a des monde qui fait des chocs cerveaux, il y a des monde père secourable qui fait stroke, il y a des monde père secourable, oh oui, bon Dieu qui fait sucre, il y a des monde qui mourit bonheur, qui mourit à jeune âge, il y a des monde père secourable qui malade, et la raison c'est à cause du traitement, amen. Traitement yo prend à travers la vie, traitement yo recevoir, amen, parmi semblables yo, traitement recevoir dans famille, traitement yo recevoir, amen, dans travail, traitement recevoir la caillou, traitement recevoir dans l'église yo, traitement recevoir dans le groupe là, dans le choral là, traitement recevoir père côté au fréquenter très souvent, traitement recevoir côté au bien activité, et c'est des monde qui pas qu'à supporter et mais les frappes de l'existence, les frappes de la vie. Oh oui, ce matin t'en prie père, n'a demandé au allonger main sous chacun de yo, fais une grâce spéciale matin hein. Père t'en prie ba yo constance, ba yo capacité, ba yo plus conviction Seigneur, pour comprendre lorsque bagay yo vinn pi dur, plus difficile, mais c'est pour eux très compréhensif, c'est pour eux beaucoup plus sage, pour eux appréhender les circonstances, et maintenant, avec une autre lecture. Il y a un pile fois, il y a des mondes qui souffrent, c'est parce que mal comprennent, et parce que l'esprit est très faible dans l'esprit, ils ont quitté, ils ont emporté, ils ont quitté, ils ont allé, et moun sa père secourable, la vie est une très, très, très laide, la vie est une perdue couleur, la vie est une sans sens, mais tant pris matin, hein, nous pas compte combien de bien aimés qui ont de l'eau pas jamais séché dans les yeux, yo, à cause de humiliation que yo enduré. Nous pas connait combien monde qui gagne persécurable, yon tristesse dans cœur yo à cause yon rejet, à cause yon déception. Nous pas connait combien monde père dans moment ça et qui sentit que la vie au sans sens, qui t'a même souhaité pour yo mourir, qui t'a même souhaité la mort que la vie à cause dans état où vient tomber jodi a parce que yo rejeté par famille, yo rejeté par amis, yo rejeté par la société. Mais t'en prie Seigneur, ou même qui c'est le réparateur des brèches, qu'on va longer main sous la vie, oh, qu'on va toucher, qu'on va soutenir, oh, ou même qui c'est le réparateur des brèches, oui père, qu'on va poser main sous yo, et puis la joie que vous perdu va capable retourner, la joie que vous perdu est capable retourner. Seigneur, faire comprendre que rien n'est fini avec Jésus, rien n'est fini avec Jésus, rien n'est fini. Comme a dit le serviteur, à qui perd tout, Jésus reste encore. À qui perd tout, Jésus reste encore. À qui perd tout, Jésus reste encore. Si un temps prie, faire comprendre, de pour là, c'est pour gagner espérance, de pour là, c'est pour espérer que Dieu
demain pas chambre pas bon, c'est pour espérer que ça va finir comme ça. Jean ça a commencé là, c'est pas comme ça l'a fini. Jean ça y est là, c'est pas comme ça l'a fini. Il y a quelqu'un qui sentit à ce qu'il parle que la vie n'a pas de sens encore. Et t'as même voulu prendre poison pour tout tête yo, faire comprendre qu'on y a c'est la vie pas fini, c'est parce que vous désespéré, yo penser à ce qu'il paraît pas de issue encore, pas de porte de sortir. Mais maintenant père t'en prie, faire comprendre, yo besoin interpréter circonstances différemment. Yo besoin comprendre épreuve yo différemment pour comprendre c'est des opportunités pour qu'a fait succès dans la vie, pour qu'a réussi parce que pile monde, majorité monde, je dis, qui fait succès, qui réussit, c'était des monde qui étaient humiliés, qui étaient rejetés, qui étaient passés dans des mauvais moments, et ont servi avec mépris, ont servi avec humiliation, déception, et puis ça servi comme étant un engrais pour grandir, ça servi comme étant un stimulant pour avancer. T'en prie, Seigneur, bah, au plus conviction, bah, au courage, pour mieux appréhender la vie, puis à nous comprendre, comme a dit le serviteur, amen. Le serviteur a dit toutes choses concourent au bien. Cela veut dire, toute ça qui vivent, nous observons bien. Déception, observons bien. Mépris, la fait nous bien. Rejet, la fait nous bien. Humiliation, la fait nous bien. Oh oui, Seigneur, nous connaissons. Parole ou pas jamais prononcer, amen, sans le pas fait effet. Parole ou pas jamais prononcer, sans le pas accompli. Que sagesse parole ça, il va accomplir dans la vie chaque monde qui attend des matins, hein? Chaque monde qui recevoir prière ça, chaque monde qui nos moments d'épreuve. Et puis, on l'autre frère, on l'autre soeur qui voyait prière ça, bali, pour le faire comprendre, il pas besoin d'inquiéter, parce que la vie a pour qu'on finit, au contraire. Ça que met le danger là, c'est une opportunité. Ça que met tristesse dans que là, c'est une opportunité. Ça que bal chagrin, c'est une opportunité. Pour prendre courage, pour pas faire suc bonheur, pour pas mourir bonheur, pour la vie pas fini mal, au contraire pour patient et laisse ça va vivre la joie qui sortit notre présence sous et bénédiction va couvrir au père. Seigneur, nous disons merci pour toute persécuable sagesse ça yo, nous disons merci pour toute vision ça yo, nous disons merci pour toute révélation ça yo père. Oui men, ou éclater dans la vie nous, ou faire nous comprendre quel que soit gens ça y est, c'est pour bien nous et quel que soit ça nous reçoit. C'est des opportunités que nous joignons pour la vie nous capables d'exploser, pour nous capables de faire des exploits dans la vie. Ça. Seigneur, merci, merci pour promesse qu'on fait, non. Merci pour accomplissement, yo. Même les gens pile bagaille qui peuvent arriver, mais nous croyons, Seigneur, par la foi, yo déjà arrivé. Même Jean Parole l'a dit, les anciens, yo pas trop rémunération, hein, mais ont été salués le loin. Seigneur, je dis à grand pile monde par la foi qui besoin saluer bénédiction, hein, qui besoin saluer succès, hein, qui besoin saluer levé, hein, qui besoin saluer amen, sorti à terre, par la foi au nom de Jésus, par la foi au nom de notre rédempteur et sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette nuit, merci pour cette soirée, merci pour cette matinée et aussi merci d'avance pour cette journée. Que cette journée soit le témoin de la bénédiction, de la joie, de la victoire qui pourra éclater dans la vie, non, non pas en vertu de nos mérites, mais ça dans le nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami, pasteur Lazare Robinson, du côté de New Jersey. Et si vous aimeriez rentrer en contact avec nous pour demander de prière ou quelques conseils, écris-nous sur WhatsApp ou bien rélez-nous dans 862 212 95 43. Que Dieu vous bénisse. Délivrer la souffrance, racheter de nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.